Eh bien, bonjour à tous, c'est Maximus41, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le tombeau égyptien avec le sphinx et les différents personnages. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une petite momie. Voilà. Alors, cette momie, elle peut s'ouvrir et on découvre un petit squelette. Hop. Donc le squelette, ses parties peuvent s'enlever, comme la tête, voilà. Donc, après, on a un petit pharaon, voilà, qui porte un sceptre et un chapeau chelou un peu. Donc il a des côtes de mâle, donc il est bien bronzé, vu que les Égyptiens là-bas, bah, il fait chaud, donc voilà, ils sont souvent bronzés. Après, on a un homme, donc j'ai perdu la coiffure, mais c'est pas grave, qui porte une toge et des petits bracelets de chaque bras. Voilà. Après, on a aussi... une petite coupole, voilà, une herbe et un diadème. Donc le diadème, je pense qu'on pourrait le mettre sur le personnage. Je vais essayer. Hop. Donc voilà, il peut se mettre. Voilà, regardez ce que ça fait. Que après, on a plusieurs feuilles d'eucalyptus. Donc, c'est une plante qu'on trouve en Égypte et aussi un peu en Asie. Hop, et là. Donc, ça fait trois brins d'eucalyptus. Et après, on va s'intéresser à la partie centrale. Donc, on a encore de l'eucalyptus. Des petites herbes, donc bien sûr en dessous il y a du sable. Donc là c'est un sphinx, l'élément principal. Donc on peut voir il a des petites bandelettes sur ses côtés et là on dirait un cobra. Voilà. Après, à savoir, eh bien ça peut s'ouvrir, enfin ça peut se lever. Sauf que normalement, on doit avoir une petite clé. On doit l'insérer là-dedans. Sauf que là, la clé, elle était toute petite. Donc, on l'a perdue, bien évidemment. Et donc là, voilà ce que ça fait quand c'est ouvert. Sinon, je voulais vous montrer quand c'était fermé. Mais malheureusement, je ne peux pas. Mais bon. Alors, c'est une prochaine fois. Donc là, on retrouve aussi les mêmes herbes. Et donc derrière, le derrière du sphinx. Le sphinx, si vous savez pas, c'est un mi-homme, mi-lion. Donc c'est un animal que les Égyptiens y redoutaient. Et on trouvait ça dans les déserts, à côté des pyramides. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, c'est tout. Donc voilà, la vidéo, eh bien, va se terminer. Je pense que ça fait un peu plus de 4 minutes. Donc on va dire que sur ce, bah, moi je vous dis ciao. Et donc après je vais faire une vidéo concours où en fait bah, je vous expliquerai. Je la mettrai la vidéo un peu plus tard dans l'après-midi. Et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao!